Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous présente une formation de la catégorie B, donc les jeux et les casinos. Donc aujourd'hui, on va se concentrer sur le jeu Timble. C'est encore Dexter et comme toujours, j'envoie du lourd. Et restez connectés jusqu'à la fin si vraiment vous voulez savoir comment ça marche. Et n'oubliez pas, je laisse toujours des bonus dans les vidéos. Faites juste l'effort d'être un peu attentif, vous les remarquerez. Donc déjà, le jeu Timble, je viens dans tout. Déjà, le jeu Timble n'est ni dans la catégorie For You, Best, Lottery, Slot, Claim to Victory, Dice, c'est dans Autre, donc dans Other Game. Et bingo, le voici là-haut. Donc, on y va. Ce qui est bien avec ce jeu, c'est que, comment dire, même si le gain il est faible, il est quand même facile à gagner. C'est pour ça que ceux qui jouent vraiment, c'est ceux qui ont des fonds. Par exemple, tu ne peux pas dire que j'entre avec, je prends une mise de 1000 francs, 1000 francs une fois. Là, ça m'évite des trucs. Je prends directement une mise de 1000 francs, par exemple. Tu prends, bon, généralement, pour ceux qui n'aiment pas le risque, donc deux boules. Et que tu places un pari, on va te dire que le montant de mise est 1000 francs, bref, tout ça. Et que tu choisis, par exemple, la dernière boule. Forcément, je savais que ça allait sortir là, parce que déjà, ce qui me dérange juste avec ce jeu, ce n'est même pas qu'il soit facile, c'est juste que les cotes sont faibles par rapport au jeu que je connais. C'est pour ça que moi je conseille pas tellement Timble aux gens parce que je ne peux pas miser 1000 francs à chaque tour pour 450, même si moi je sais pas, même si moi je sais exactement où la boule va sortir. Donc, bon, c'est aussi vrai que beaucoup aiment ce jeu, mais moi par rapport aux autres jeux que j'ai connus dans One is Bed, Paris Paysan, 1-1 et compagnie, Timble est dans le Timble, si je veux classer de 1 à 10, Timble est 10e. Oui, Timble est 10e. Donc c'est un peu ça. Maintenant, pour un amateur qui ne connaît même pas, qui va créer son compte Paris Paysan ou bien One is Bet sans mon code de promo, quand il va entrer déjà que de 1, ça ne marchera pas comme ça marche chez moi, d'abord. C'est pour ça que depuis que j'ai fait des vidéos, je précise toujours, créez vos comptes avec mon code promo. Oui. Si vous remarquez bien, des fois, tu peux voir une astuce. Le type de la vidéo, il a appuyé sur 1, toi tu as appuyé sur 1, lui il a gagné, toi tu as perdu. Donc souvent, il faut se poser la question pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui cloche? Est-ce qu'il ment? Est-ce qu'il dit vrai? Ou bien est-ce que c'est au niveau de mon compte? Je vous dis oui, c'est au niveau de votre compte. Et aussi que si vraiment vous voulez suivre cette formation du début jusqu'à la fin, tout ce que je peux vous dire, c'est soyez très, très, très attentif. Là, je ne vais pas en dire. Là, je ne vais pas continuer davantage. Je vous laisserai le soin de venir m'écrire. Et on en parlera dans d'autres vidéos, d'autres appels audio et discussions. Donc, continuons le jeu. Il y a un abonné qui m'a demandé, qui m'a dit qu'il veut me voir gagner pendant 5 parties consécutives. Donc, on y va. Désolé pour le réseau, donc patientons juste. Et comme par hasard, on gagne toujours. Ça fait 2-2. Il m'a dit 5 tours d'affilée. Donc on va y aller sans ça, sans arrêt, encore et encore, encore et encore. 3 fois, plus que 2. Quatre fois, plus que 1. Et ça fait 5 fois, donc il m'a dit que Dexter, j'aimerais des preuves pour pouvoir intégrer ta formation. Fais une vidéo dans laquelle tu gagnes 5 fois dans le jeu Timble. Et c'est exactement ce que j'ai fait. Donc voilà, 5 fois. Je pourrais bien continuer, mais j'ai pas que ça à faire. Donc à toi de voir si tu peux me croire ou pas. Maintenant, la team, vous savez quoi faire. Je dis, je ne fais pas de miracle, je donne des formations. Ça veut dire que je vous apprends à faire ce que moi je sais faire. Oui. Et la formation ne se limite pas à cette courte vidéo. Il y a tellement d'explications. Et quand vous allez comprendre cela, vous serez à même de vous, comment dire, de vous débrouiller par vous-même. Si vous remarquez bien, ça fait 5 fois d'affilée que je gagne. Donc j'ai juste mis 10 000 francs cette fois. Donc, et quand il me met 10 000 francs, je prends toujours le parti de celui qui n'a vraiment rien. Bon, d'aucuns mettront 200 partout, ça dépend d'eux. Mais avec 1 000 francs, ça fait 450 fois 5, c'est 450 fois 5, ça te fait 900, 900, 1800.
1800, donc nous sommes pratiquement dans les 2500, 2700. Bref, c'est pas petit vu la mise que j'ai placée au départ. Maintenant, je vous attends massivement en commentaire ou sur Telegram. Sur ce, à plus pour de nouvelles astuces.